transport, éducation, santé, voici les perturbations qui vous attendent ce 10 novembre. La CGT a appelé de nouveau à une grève nationale pour les salaires et les retraites ce jeudi. Première conséquence, le trafic sera très fortement perturbé dans les transports. À Paris, au niveau de la RATP, les lignes de métro 2, 3 bis, 5, 8, 10, 11 et 12 seront totalement interrompues. Seules les lignes 1 et 14 vont circuler normalement, mais attention, elles risquent d'être saturées. Les lignes de RER et de bus seront aussi perturbées. Des perturbations dans les transports en commun sont aussi à prévoir dans plusieurs autres villes de France, comme Rouen, Montpellier ou encore Nice. À la SNCF, la mobilisation sera plus limitée, mais quelques perturbations sont quand même à prévoir. D'autres secteurs vont aussi être impactés, comme l'école. Dans plusieurs villes, les accueils périscolaires ainsi que les cantines ne seront pas assurés. La mobilisation pourrait toucher certains établissements de santé publique comme privés. Les établissements français du sang risquent aussi d'être perturbés.